1 mètre, et c'est beaucoup trop pour Dujan Mladjan. Donc attention, il faut mettre de l'intensité. Les Fribourgeois ne savent pas. Parfois, il a mis le couvert, car en voiture. Et Novakovic qui se prend une soufflante de la part de Petar Aleksić. Fasse tout de suite jouer dans un match quand même avec un enjeu, match au sommet aujourd'hui. Et un 2 sur 2 pour Kovac, la pénétration de Jordan avec Paul Gravet à longue distance. Oui, voilà, ça va faire du bien aux Fribourgeois et enfin. Avec à l'intérieur, Juan James, la très bonne défense de Milos Jokovic et de Boris Mbala. Martino à mi-distance en toute fin de possession. C'est dommage parce que Maxime, on avait encore une fois bien défendu. Hein. Oui. Tir manqué pour une fois de Dusan Mladjan à longue distance. La contre-attaque fribourgeoise. Devonte Jordan, ballon perdu par Jordan. Interception avec Taylor qui va aller faire le lay-up. Avoir du jeu rapide comme on en a vu, mais que trop peu souvent en première période. Avec Devonte Jordan pour Slobodan Milanić à longue distance. Ah, voilà. Encore une fois l'homme d'expérience Maxime qui fait sauter le verrou. Et bah, il va s'empaler dans la défense avec Slobodan Milanić qui peut récupérer cette balle. Milanić qui feinte avec la planche à l'expérience, à l'intelligence. Donc on a vraiment, c'est probablement les deux équipes qu'on devrait retrouver en fin de championnat, en finale des playoffs. Donc il y a quelque chose dans l'intensité, c'est clair. Et l'interception de Devonte. Il shoot relativement ouvert et à nouveau il s'est pas posé de questions. Magnifique passe là aussi, l'extra passe d'Arnaud Couture. Très bien joué là du Fribourg Olympique face à nouveau à cette défense combinée. Mitchell la passe pour Mbala. Slobodan Milanić qui trouve Arnaud Couture. La passe pour Kwame Mitchell, ça rentre. Très très bonne passe Maxime d'Arnaud Couture. À ce jeu là, et là on l'a vu couper dans la raquette au poste, très bien joué. Avec on oublie Marco Mladjan sur ce coup là. Il la redonne à son meneur Devonte Jordan en pénétration, un contre un, on sait qu'il aime ça. Avec l'avantage de taille trouvé sur Marco Mladjan. Allez, au niveau du rebond, Paul Gravet qui se bat bien et le ballon qui ressort pour Robert Dier. Gravet qui s'est canonné de la personne, de sa personne sur ce coup là. Et Kwame Mitchell qui la donne à Arnaud Couture. Maxime Kwame Mitchell, pour moi c'est l'homme de cette deuxième mi-temps. 24 secondes retentissaient, très bonne défense à nouveau des Fribourgeois. Avec Devonte Jordan, il bouge pas, c'est incroyable Maxime. Et sifflé contre Marco Mladjan, il y a les deux frères Mladjan plus Nikolić à 3 fautes. Roberto Kovac, on n'a pas défendu sur lui, alors c'est pas sa soirée. Mais on voit que la tête, ça fait partie intégrante bien sûr d'un sportif d'élite. Avec Boris Mba, c'est compliqué, est-ce qu'il tente. Le tir à longue distance qui fait du bien, ça fait plus 7. Avec Dusan Mladjan qui demande le ballon, c'est très bien défendu de la part de Boris Mbala. Mladjan à longue distance. Ouf, celui-là est monstrueux. Celui-là, oh là là. Et Massado qui revient à 2 points. Et faire le plein de confiance avant d'affronter le BBC Nyon en finale de Coupe Suisse. Avec Nathan Jurkovic. Vous y avez cru. Il y a mis un tout petit peu plus, trop d'énergie, mais par contre, la ligne était bonne.